Chers camarades, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Il y a à peu près un mois et demi je dirais, je vous ai présenté ma nouvelle moto qui était une Trial. Maintenant on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle moto encore. Je vais finir testeur moto pour YouTube, hein, vraiment. Genre si j'essaie des motos tous les mois, moi ça me va. Hein. Envoyez-moi vos motos, je les teste, je fais une vidéo, ça me va. Pour ceux qui l'ont vu, elle est déjà sur mon Instagram spécial moto. Voilà, je vous le mets juste ici. Je vous marque, donc ça c'est mon Instagram spécial moto où je mets des vidéos, des photos. J'essaie de tenir ce compte un peu actif. Pour ceux qui ont vu sur Instagram savent de quoi je parle. Et là je vais vous la montrer tout de suite pour ceux qui vont découvrir. C'est parti. Donc les gars, voilà, comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui avec une Kawasaki 600 KLR. Comment dire, si je devais trouver un mot pour définir cette moto, je pense que ce serait tracteur. Vraiment, vraiment, ça ressemble à ça, tracteur. Donc Kawasaki 600, 47 chevaux, elle est donnée à 47 chevaux, 1985. 150 kg. Donc je vais vous la montrer un peu plus en détail, vous raconter un peu l'histoire de cette moto du coup. Puis voilà, vous donner quelques petites anecdotes, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dessus. Puis après, on va aller filmer avec la GoPro et l'appareil photo comme j'avais fait avec la Trial la dernière fois. Alors premièrement, je vous montre le tableau de bord. Tu vois 1985, la moto elle a combien? 36 ans, 12 000 km. Là, j'ai fait 48 km depuis que je l'ai avec. Donc je l'ai testé principalement sur des chemins roulants ou sur la route, mais j'ai rien fait vraiment de fou avec. Le jeune guidon, pareil, old school, démarreur électrique, ça c'est important les gars, je vais vous en parler juste après. Regarde-moi la taille du pot d'échappement quoi. Regarde ça, la taille du machin. Je sais pas si vous voyez bien, mais les gars, quelque chose d'impressionnant, c'est la taille du kick. Je sais pas. T'as l'impression de kicker avec un démon de pneus quoi. Alors tu peux la démarrer au kick. On a déjà la première fois qu'on l'a testé, on a réussi à démarrer au kick, mais je vais vous expliquer après. On a décidé quand même de réinstaller une batterie dessus. Donc là bon, c'est encore du bricolage, hein. C'est vraiment du bricolage. On a mis une plaque devant, mais il y a la batterie juste derrière. Alors au début on s'était dit bon, la batterie ça presse pas trop, on va pouvoir la démarrer au kick pour l'instant. Mais il faut savoir qu'à un moment j'ai calé, j'ai voulu la redémarrer, j'avais ces bottes là. Donc tu vois, botte de mozo normale, enduro, cross, c'est ce que tu veux. La protection mon pote, tu vois, c'est du solide. Et mon pote, j'ai pris un retour de kick. Je vais mentir, hein, ça m'a retourné la cheville à travers la botte. J'ai dit, c'est mort, on a investi directement dans une batterie. Donc là les gars, ce que je vais faire, je vais vous la démarrer pour que vous puissiez écouter le bruit. Là, la jeune clé. Alors pour la petite histoire de la moto, c'est un ami de mes grands-parents qui se débarrassait de cette moto. Il a décidé de la donner à mes grands-parents pour que moi je puisse la récupérer. Alors je sais pas si cette personne verra la vidéo, mais en tout cas s'il la voit, merci beaucoup. Parce que moi ça me fait vraiment plaisir, genre vraiment la moto c'est ma passion quoi, c'est ma vie carrément. Donc moi dès qu'il y a une moto, peu importe la moto, je suis content de faire de la moto. Alors là forcément on me donne une moto, bah les gars, je suis trop heureux moi.
Voilà les potes, la vidéo présentation de la KLR est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Moi je me suis bien amusé, vraiment sympa à rouler. Donc voilà, si ça vous a plu, petit like, tu t'abonnes. Et puis voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo les potes. Allez, salut!